bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, on est toujours en live, si vous voulez participer un petit peu plus activement, vous pouvez toujours passer les week-ends, pardon, craquage de voix, les week-ends sur les lives pour jouer avec nous. On continue notre petite aventure, notre objectif est d'escroquer ce petit commerce là, tout simplement parce que ici là je suis passé récupérer l'enveloppe vite fait en off et on a 2 balles seulement de bénéfices, donc ça ne va pas du tout. Donc déjà ta quête. Le seigle. Non, c'est pas une priorité le seigle. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tu améliores tes relations avec ce personnage. Et on va aller lui faire un coucou. J'ai d'excellentes nouvelles. Voilà. Déjà, notre enveloppe va être un petit peu plus intéressante. On trinque au signe. Merci Squash. Ma bouteille est vide d'ailleurs, c'est pas bien. Ici aussi on escroque pas d'ailleurs. C'est pas bien ça. Toi, vu qu'on vient de t'escroquer, tu vas bien nous faire une faveur. Hop. Quand même. C'est un peu abusé mais bon. C'est carrément abusé. Ici on continue d'explorer. Hop là. Ok, un petit magasin. Qu'on augmente ses points de mouvement, elle, en plus de la capacité de mettre des tatanes. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Améliorons les choses ensemble. Voilà. Début de la nomination aux élections. C'est parti. Alors, bah ça tombe bien, on est là. Alors, on a Elsie Zubek. Bon, on a tout intérêt à continuer de le parrainer, lui. Ça coûterait 1200. Donc cette fois, il va pas nous filer de thunes, hein, je pense. Ça sera un petit peu abusé. On maîtrise le jeu maintenant. Il nous faut 1200, on les a pas. Donc déjà, ça commence mal. Ici, ça va se terminer dans 4 tours. Et il faut... On achète du sirop de malt et des pots en grès. On va mettre de quoi faire un peu près ce qu'il faut. Alors, des pots en grès, normalement ça devrait pas être un problème. Il y en a un peu. Du sirop de malt, par contre, il y en a assez loin. Ok. On a 95 sur nous. On va passer chercher des fonds. On va aller faire quelques courses. Alors, du sirop de malt, c'était où? Dans le coin. C'est du sirop de maïs, ça. Sirop de malt, c'est là, ou alors c'est là. Ici, c'est plus proche. Hein. En avant. Alors déjà, est-ce qu'il accepterait de m'en vendre? On est à 0, ça devrait le faire. C'est parti. Ah, je peux pas demander à Chobiti de me ravitailler à chaque fois, Squash. C'est pas gentil. Il nous en faut un paquet, hein, donc on va tout prendre. Seulement 14. Du coup, on va peut-être aller en chercher un peu plus ici. Ok, ça vend, parfait. Du sirop de malt, on achète tout ce qu'on peut. Là on va être plein normalement. Ah non, c'est qu'on a plus de sous. Pourquoi ils nous envoient pas plus, attendez. Ah non, on est 97% plein, ok, ça se met pas bien à jour là. Du coup, il faut qu'on aille déposer. Et après on va aller acheter quelques pots en grès, il y en a juste à côté, c'est parfait. Attends, on commence à être loin. Hop, on dépose tout ça. Il en faut 10, donc on a de quoi faire 2 productions. Et là, on va acheter. Qu'est-ce qui se passe? Les cousins de la campagne. Allez, on va faire ça. On va faire cette quête. Comme ça, il nous aimera bien. Et on pourra faire ce qu'il faut pour avoir des pots en grès. Ok. Il en faut 50. Waouh! Ça pique le cul. Qui d'autre nous en vend?
Hey, on n'a pas trop de production de pots en grès que ça dans le coin. On n'a plus de mouvement. Ok, on ira après. Ici. Ah, on a fait la connaissance d'une organisation rivale. Ouh, qui fait le taf, hein. Et visiblement, vu qu'ils ont de la vie dans le mal, ils travaillent dur. Alors, c'est lui le chef. Hésite à se bagarrer, préfère avoir une petite bande, n'aime pas les autres groupes ethniques. Ok, donc ça sera pas forcément un gros danger. Néanmoins, il faut qu'on le garde à l'œil. Ouais, ils font affaire avec d'autres organisations. Logique. Intéressant, donc ici, on a un rouge. C'est bon à savoir. On n'a pas suffisamment d'argent. C'est bien dommage. Toi là, t'as 72 de moonshine et ton camion commence à être quand même un peu dans le mal. Faudrait que tu t'arrêtes de le réparer à un moment. Donc ici, on s'arrête là, on prend l'enveloppe. Hop, on s'arrête ici. On prend les pots en grès. Voilà, on a de quoi faire un truc, c'est pas ouf. Mais au moins, on n'aura pas besoin d'y revenir tout de suite. Oui, on peut prendre 2 meubles, on peut prendre 10 meubles dans notre stock, on va aller les déposer directement là, ce sera fait. Parce que c'est ce qu'il nous faut si on veut améliorer notre truc, hein, on est d'accord. 20 pour ça, 10 pour ça. Ça c'est 4000 balles, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de pouvoir vendre n'importe quoi. Bon, pour l'instant, on vendrait du coup du moonshine, de la bière. Ouais, ouais, ce serait intéressant quand même. Hein. Ce serait bien intéressant. Est-ce qu'on a un livreur éventuel dans notre liste des recrues? On voudrait quelqu'un d'agile. Irritable, non. Curieux et agile. Ok, donc ça c'est pour inspecter les commerces, pas où. Négligent, bof. Faible et vigilant. C'est pas si mal ça. Bonne compétence de conduite, elle est agile, bonne compétence de conduite aussi. Elle est faible, mais bon, ce serait pas forcément pour se battre. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir cette personne comme pilote. On est en juin, il va falloir qu'on s'occupe quand même de notre... de nos parrainages. Non, il n'y a pas assez d'argent au Raymond. Il faut un peu de quoi payer les salaires. Ici, qu'est-ce qu'on aurait? 1500 pour parrainer cette personne. 2500 pour parrainer cette personne. Eh ben, voilà pour se faire chier. Bon alors leur budget c'est un peu la loose hein. C'est vrai que j'ai déposé la Winchester pour la filer à Ruby tout à l'heure et j'en ai pas repris une, t'as raison. 2600, 1500, 1700, 3000, 2800. Ah ouais, ça c'est plus la même hein. Les gens considèrent qu'on a de la thune maintenant. Ok. Il nous faudrait donc en gros 3-4000 balles juste pour rentrer dans la course. 1200 là et 1500 là. Très bien. Ça se fait, je pense. Ça se fait, ça se fait. Avant août. Ouais. Ouais. Donc
on va laisser tomber le camion pour l'instant, au pire on filera le pick-up de le signe. Et on va chercher une recrue. C'est parti. Alors on pourrait se dire que une bonne possibilité de se faire un peu de sous, ce serait de se débarrasser de ce sympathique personnage, ou peu sympathique personnage, ou d'elle encore mieux, tiens. On va aller se débarrasser d'elle. Ici. Alors on peut ne plus rien dépenser, on peut attendre avant de recruter, hein, parce que ça va nous coûter de l'argent. Ici on peut faire nous-mêmes les livraisons quelques temps. On va aller récupérer ce qu'il faut là-bas. Et je pense que ça va être pas mal. Ouais, alors du coup vous allez plutôt là-bas en fait. On a un petit peu de moonshine sur nous, et là on a un petit peu d'argent sur nous. Du coup j'aimerais bien que ce soit toi plutôt qui lance l'assaut. Attaquer sur le champ. Ça va être elle qui va attaquer en premier. 53-103. Le petit tir dans la tête. Un petit travail de nettoyage de la part de Viola. Selon le chef de police, le jazz et l'alcool nous mèneront à notre perte. C'est terrible. Terrible histoire. On récupère un petit peu d'argent. Ouais, ok, pourquoi pas. Et là, on va fouiller avec le signe puisqu'il peut se replier. Très très bon. Très 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 bon. Ça fait plaisir. Et toi, tu trouves d'autres choses? Ah bah voilà, alors on va l'avoir de quoi financer notre campagne électorale là. Voilà qui est parfait. On se replie. Alors, qu'est-ce qu'on pose? Waouh, wow, tellement de trucs. Ouais. L'absinthe, je crois que je n'avais jamais vu. Et là, il en achète juste ici. Alors, de l'absinthe. 60 par caisse. Ça nous met de 20% de plus. 720 balles. Et bim! Du brandy à bouteille. Donc on peut pas parler argent. On peut éventuellement trouver quelqu'un d'autre qui vendrait du, qui achèterait du brandy. Là-bas. Ok. Bon là déjà, normalement, on a de quoi parrainer notre ancien copain. Puisque notre sœur ne se représente pas. On pourrait la représenter, cela dit. Hein. On pourrait aussi présenter André Noir. Caractère agressif, 440 seulement. Et là, ça nous coûte que dalle, parce que... Bon, par contre, il est un peu nul. Faut dire ce qui est. Immoral, insolent. Ah, Marvin Noir. Croyant, charme et vigilant. Il est prosélyte. $560, allez. C'est parti. On parraine ce sympathique personnage. Et alors du coup, c'est ici que la campagne est organisée. Ouais, je sais que l'absinthe en France, c'est pas... Oui, quand je disais c'est la première fois que j'en vois, je parlais en jeu. Hein. Pas l'absinthe, j'en ai déjà vu et revu, ça c'est pas un problème. Donc pour l'instant, on va rien pouvoir faire normalement parce que c'est trop tôt, mais on parraine ce personnage-là. Alors il va falloir se battre hein, pour gagner les élections, très clairement. On part pas gagnant. Vu que ça nous a pas coûté grand-chose, je pense qu'on ira faire un petit don. On va espérer qu'il n'y ait pas une descente... Sur Viola, non c'est bon, parfait, elle va pouvoir évacuer, elle va récupérer un petit peu de trucs. On va aller déposer ça là, ça sera vendu en temps voulu. La bière, le cidre, le moonshine, ça, on va déposer l'armement aussi, pourquoi pas. On se repose.
Toc, 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 toc. La police fait une descente, très bien. Fais donc ça. Donc ici, c'est là. On pourrait faire un petit don, 1000 balles. Donc les projets de campagne, ce sera plus tard. Et donc du coup, on va pouvoir aller vendre quelques autres ressources, je pense. Qu'est-ce qu'on a sur nous ? De l'amaretto, le brandy, le cidre pétillant, le gin amateur. Ils nous vendent toujours pas là des trucs. On nous achète rien les hôtels, bande de salauds. Le brandy, du coup, je pense qu'on va aller faire un tour là-bas. Alors après, cette personne-là nous aime bien, c'est parfait. On va pouvoir direct négocier. Pourquoi il nous aime bien ? Parce qu'on s'est débarrassé de... Vous faites affaire ensemble depuis quelques temps. Ah ouais, tiens, je me souviens pas. On te vend du brandy. Et on prend 20%. Très bien. Derrière, on va te vendre un peu de cidre. On a 3. Du gin. On en a 3. Et du vin, je crois aussi. On a 3. Voilà, et là on commence à être un peu vide. On a de l'amaretto, on a de la bière derrière boutique aussi. Parfait. Là on a bien cramé nos trucs, mais on a des sous. 963, c'est pas assez. Il achète de l'amaretto lui. Il achète de l'amaretto, t'as raison. Alors on pourrait travailler sur ce QG politique là, ou sur ce QG politique là. Je pense que celui-là est pas mal. Est-ce qu'on a des gens intéressants? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de membres de la famille noire ici et là. 3000 balles. Oh la vache, pique. Bello, Brennan. Brennan, 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 Brennan. Lui est acceptable. Organisé, diligent, il l'est. Ouais. Son archétype aide, tendance à la corruption. Méchant, calme et agressif. Ça pourrait être une idée aussi. Et je pense que là, c'est quand même intéressant. On est en train d'envahir ce quartier petit à petit. On a des hôtels et tout. 1500, c'est pas tant que ça. Et la victoire est quasiment assurée avec elle. Timide, paresseux, insolent et maladroit. Non. Fonctionnaire. N'ayant aucune opinion forte sur quoi que ce soit, ces fonctionnaires ordinaires sont facilement influençables, mais ils n'ont aucun avantage. Ok. Ouais, bah je pense qu'on va essayer de parrainer ça. 1500 balles, c'est acceptable. Et vu qu'elle est quand même déjà très bien placée sur la course, on devrait pouvoir se permettre. On va retourner chercher des sous. Ici à combien? 200. Ici à combien? 400. Ah, c'est parti. Viola, elle se repose. Et après, elle va repartir. Après, on pourrait aussi se débarrasser de lui pour finir de se financer. Hein. C'est une possibilité. Hein. C'est totalement une possibilité. Hop, ici on va déposer le vin en brique. Et là, j'ai avancé trop loin, comme d'hab. Pourtant j'ai mis la voiture ici pour y penser, hein, mais... non, toi tu vendais pas d'amaretto, c'était l'autre où ils vendaient de l'amaretto, mais j'avais pas le temps d'y rester. Ouais, t'étais en train d'écrire de buter Foster, tu en lui en veux à Foster, hein. Mais je te comprends. Alors, on va commencer avec le signe parce que c'est lui qui a le moins de points. Non, c'est Viola, allez, c'est Viola. C'est parti pour le petit plaisir. Il a un couteau, hein, le vilain.
Ah, il a fallu qu'on y aille à deux. Et du coup, c'est le signe qui a été blessé. Avis littéraire, un nouveau livre confond parc à bétail et métaphore sur la jungle. Ok, pourquoi pas. Du coup, bah, on a plus du tout de point de mouvement, donc on va tout piller. Pas mal. Ouais, c'était pas, c'était moins ouf, c'était franchement moins ouf. J'espère que les flics vont pas se pointer, non c'est bon. Donc toi du coup, t'as un couteau, un peu de thune. Ouais, tu vas aller déposer ça. Finalement Foster n'était pas si rentable. C'est dommage. Ah, on a un accord qui va expirer ici. Bon, on a quelques temps encore normalement. Viola, tu vas aller finir les petites explorations qui traînent ici avant de partir. Et toi mon gars, t'es trop blessé pour travailler, t'es pas trop blessé pour travailler je pense, tu peux aller ici. Vendre 2-3 trucs. Je crois que j'en ai pas, si j'en ai un dans la voiture. Et on a quoi? Du jean et du jean, ok. En fait faudrait qu'on puisse vendre les armes. Normalement on a suffisamment quand même. Faut pas qu'on traîne hein, parce que on est déjà le 19 juillet. On va aller là, on va se prendre un tour pour se reposer. Et toi d'ailleurs, t'es où? Où est-ce que t'es? T'es là. Il faut qu'on te répare. Est-ce qu'il y a un garage dans le coin? Pas trop. On essaiera de se souvenir quand elle sera dans le coin là-bas, faut qu'on la répare. Non. Toi tu déposes tes petits alcools de base ici. Ensuite tu vas là. Tu déposes ça, les 4 pieds de biche. On va se soigner un coup. On prend un tour mais je pense que c'est rentable. Ah, ça y est, on a débloqué notre bureau, parfait. Alors, est-ce qu'on part sur du rustique ou est-ce qu'on part sur un penthouse? Dis-moi, Squash, qu'en penses-tu? Dites-moi sur le chat d'ailleurs de manière générale si vous souhaitez participer. Un petit penthouse, je pense que c'est quand même plus classe hein, pour notre activité actuelle. Après, le gîte rustique est sympa aussi, ça pose son homme, quoi. Le penthouse, hein. Ouais, le penthouse, allez, c'est parti pour un petit penthouse. On a la chaise de chef et le bureau de chef. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ici. On n'a pas de quoi faire la suivante. Et c'est tous les 4 tours, donc ça va vite la bière. Toi. Il n'y a pas de réparateur ici encore. Quand tu seras dans le coin là-bas, il faudra qu'on essaie d'y penser. Est-ce que tu as des mouvements pour y aller? Ouais, on va arrêter sa livraison. Et on va l'envoyer là-bas. Ici du coup, on prend la thune. Voilà. Et on va aller s'occuper de ça. On va parrainer cette personne. Et si on arrive à avoir deux élections, ça serait bien agréable. Franchement bien agréable. Et du coup, on a dit que le livreur qu'on pouvait recruter, il était chez Foster. Merde, j'ai été trop loin. Hop là. Je voudrais embaucher ta cousine. Agile, faible et vigilante, c'est ça. On prend... Et tu vas te mettre à travailler direct pour t'occuper de la bière. Alors, le truc, c'est que là, il nous reste 5 points de mouvement. Est-ce qu'on a suffisamment pour aller là? Oui. Parfait. Donc on va
déposer tout ce qu'il y a là-dedans. Et on va filer le véhicule. Hop, toi tu vas prendre le véhicule à deux portes. Marianne, elle va prendre le pick-up. Ensuite, on va faire une livraison. On va appeler bière. Et c'est parti. Alors. Tu vas aller récupérer ici. Pas ça. Tu vas récupérer de la bière artisanale. Jusqu'à 50, c'est pas mal déjà. Ensuite, tu vas aller vendre la bière. Alors la bière, c'est pas ouf nos points de vente. Ouais, quand même ici. Ta, tu passes par là, tu vas dans ce cul-de-sac, ouais, ça fait chier. On va peut-être plutôt prendre ces trois points-là. Hein. Tu vends tout ce que tu peux. Ensuite, tu vas là, tu vends tout ce que tu peux. Ensuite, tu vas là, tu vends tout ce que tu peux. Tu vas là, tu vends tout ce que tu peux. Il faut que tu achètes du grès. Il y en a là, ok. Tu vas là, t'en achètes jusqu'à en avoir 80 sur toi. Tu vas là, t'en achètes jusqu'à en avoir 80 sur toi. Tu vas là, t'en achètes jusqu'à en avoir 80 sur toi. Tu vas là, t'en achètes jusqu'à en avoir 80 sur toi. On rangera après les trucs pour que ça soit dans le bon ordre. Il faut également que tu achètes du sirop de malt. Il y a là et il y a là. Bah écoute, là je pense que tu peux en acheter jusqu'à en avoir 20. Et là jusqu'à en avoir 20. Ok, parfait. Et après tu vas déposer ici le sirop de malt tout. Ici, le grès, les pots en grès, tout. Et tu vas aussi déposer là l'argent. Ouais. Déposer l'argent, sauf 100 balles. Et c'est pas mal. Alors, c'est parti. Il va falloir ranger un peu tout ça. Donc tu récupères de la bière, ça me choque pas. Ensuite tu vas... est-ce qu'on peut voir, réarranger les entrées? Ah c'est bon ça! Ça fait plaisir. Alors on peut désactiver des trucs, ok, donc t'es là. T'es où? T'es là. Il va au local tobacco shop... Vendre de la bière, acheter des pots en grès, déposer, et après tu retournes ici. Donc c'est pas si mal. On peut glisser déposer là? Comment ça se passe? D'accord, ça me paraît pas trivial à faire. On va mettre quelqu'un, comme ça on aura... Voilà, la petite truc comme ça me plaît mieux déjà. Donc tu vas récupérer de la bière. Après, tu vas au local tobacco shop. Tu pourrais aller ici avant. Acheter des pots en grès. Du sirop de malt. Donc il faut déjà que tu aies d'un petit peu de thunes sur toi. Bon, tu feras un premier tour à vide, au pire c'est pas grave. Donc toc, ici. Tu vas aller... acheter des pots en grès au Edna Café Shop. Edna Café Shop, voilà, juste après. T'achètes tes pots en grès là. Ensuite, tu vas là. American Meat Cheese. Il est où? Il est là. Toc. Voilà, tu fais ça. Ensuite, tu vas. Ici, ça me paraît bien. Ensuite, tu vas. Ici au Saucisse Shop. Hop.
Hop. Hop. Donc juste après le local tobacco. Voilà, parfait. Ensuite, tu vas ici vendre. Ensuite, tu vas ici acheter. Donc, au Café Jimini. Ouais, il faut des liquidités au premier stop, je suis d'accord. Squash, au pire, elle fera un premier tour à vide. C'est pas hyper gênant, ça me choque pas. Ou je le verrai pour la faire passer, récupérer un petit peu de thunes avant. Ok, tu vas au Café Jimini. Ensuite, tu vas ici vendre des trucs. Ensuite, tu vas ici acheter. Tu vas là, ça me paraît pas mal. Tu vas ici acheter. Tu vas ici. Alors du coup, ça lui fait un détour de déposer l'argent là, mais bon, c'est pas hyper grave. Du coup, il faudrait que tu déposes tes trucs, il faudrait que ça... ce soit plutôt là, au final. Alors là, du coup, peut-être que ce qu'on pourrait dire, c'est que ça... on va le mettre ici, voilà. On va commencer par aller chercher de l'argent, très bien. Donc, toc. Elle va chercher de l'argent, elle va récupérer la bière, et après, normalement, pif pouf, paf 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 paf, paf 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 paf, elle dépose tout, et on est reparti. D'ailleurs, il faut plutôt faire ça, puisque là, elle est juste à côté à déposer les trucs, donc tant qu'à faire, elle récupère la bière, et après, elle va récupérer la thune sur le chemin. C'est plus logique. C'est plus logique. Voilà, on est bien comme ça. Ok, donc du coup, toi, tu récupères 100 balles, et t'es parti. En avant. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, toi, t'as récupéré la voiture. Il y a 0$ ici. 0,80, attention. Tu vas retourner là, rechercher un petit pécule. Alors, on va peut-être quand même lui filer une arme à elle, même si c'est de la merde. On a de quoi faire ici. Ouais, un petit pistolet, ce sera parfait. Toi, tu récupères ta Winchester, un peu de sous. Et on va aller s'occuper de réparer... bah tiens, ici là. Une petite réparation. Voilà, parfait. Et là, on est pas mal. On est même franchement bien, je pense. Alors on va peut-être rater le temps qu'elle fasse tout le tour et que ça se mette en place la prochaine production, parce que c'est 4 tours, hein, c'est quand même très très rapide. Mais avec tout le grès qu'on a, je pensais pas qu'on en aurait autant, ça va le faire, je pense. Je pense que ça va le faire. Et ouais, la prochaine étape, là clairement, ça va être d'aller ici, lancer le commerce de façade ici. Et une fois que ça sera fait, on organisera peut-être une ronde de récupération des enveloppes. Mais d'abord, du coup, faut qu'on récupère notre nouveau véhicule, parce que là, on en a plus de rab. Ici, on va aller faire notre petite exploration. Voilà. On commence à être pas mal hein, dans le coin. Il y a tout là-bas qu'on n'a pas exploré. On va y aller, que ça sera fait. Et il y a ça qu'on n'a pas exploré aussi. Et après, Viola, elle va aller retourner fouiller un peu le coin. Ils sont trois ici maintenant. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une autre personne, non? Il n'y avait pas une dame avant? Ok, elle a peut-être disparu. Qu'est-ce qu'il nous propose de beau, toi? Ok, ils vendent du grès si jamais on a besoin de plus. C'est parti. Ouf, on a débloqué plein de trucs. Alors, il a une descente. C'est parti pour la campagne électorale, on va pouvoir s'en occuper. On a vendu, on a vendu, on a vendu, et on a récupéré plein de choses, hein, des photos influentes. On a débloqué plein de photos, ok. On a débloqué un souvenir du pays, des souvenirs du pays, plein de souvenirs du pays. On a découvert un porte-manteau, des chaises d'invités, un modern rug. Ouais, on a pas mal, un téléphone de bureau, un petit journal, une petite toile d'art contemporain. Comment ça ressemblait à quelque chose déjà notre bureau par rapport à tout à l'heure là. Ils vont nous faire de la peine. De la peine. De la peine.
Payne. Ok, d'accord, très bien. Je vois. Lui, là, on le corrompait plus, par contre. C'est peut-être la priorité, ça. Avant que ça soit critique. Voilà, en plus, c'est pas cher. On fait. Et après, toi... Alors, c'est quoi ta quête? Tu veux encore plus de moonshine? Posséder une fabrique de bière artisanale? Eh ben, c'est parfait, on a ce qu'il faut. Nickel. Je pense que cette quête du coup a dû un petit peu bugger, on verra. Ce qu'on voudrait ici, c'est étendre notre influence. 580 ça coûte. Pas de chance, on n'a pas ce qu'il faut. On prend ça. On récupère encore un peu plus de sous. On y retourne. Et on va commencer à s'étendre par là. Alors, du coup, tout est prêt pour le vent en brique. Plus de bière artisanale, de la thune ou relation pleine de ressources, sirop de malt. Plus de sirop de malt, ça serait pas mal parce qu'on en a pas, malheureusement pas beaucoup pour le coup. Ok, il faut qu'on lui amène des pots en grès et il nous filera du sirop de malt probablement. Avant 580, c'est parti. Et du coup, tu vas commencer à travailler pour agrandir par là, ça me va tout à fait. On va commencer à aller chercher un peu ce sympathique personnage pour aller lui escroquer 2-3 pécouzes. Marianne fait le taf, elle est déjà là. C'est nickel, ça me va très bien. On a bien dépensé notre argent. On va pouvoir aller faire un tour par là pour s'occuper un petit peu. Le tapis anti-tâche, il faudrait pas mettre du sang qui pourrait être vu par les flics. Est-ce qu'il est facilement nettoyable? Oh regarde, c'est un magnifique handcrafted carpet d'un artiste européen. Ah et on a droit à ce magnifique, cette magnifique carpet parce que on a une station de train dans notre territoire. C'est sympa ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? On pourrait draguer un petit peu les trucs, on pourrait embaucher des détectives privés pour trouver des informations sur nos adversaires. On va faire ça. 2000 du budget de campagne. On va commencer à aller trouver quelques petits peut-être des petites informations intéressantes, n'est-ce pas? Ici. Elle a moyen, je pense, de faire le taf limite toute seule. On va surveiller, mais... Je pense qu'elle va pouvoir se débrouiller. Et donc toi, du coup, maintenant que t'es là, tu vas pouvoir aller là-bas. Allez, on passe un petit tour. Il va être temps de s'arrêter doucement. Ok, elle fait sa vie, hein. Tout à fait, c'est important de remplir les dossiers. Juste aller voir ici. Ah oui, c'est vrai, non, il fallait que je lui ramène de l'argent pour ça, j'avais oublié. On va le faire. Parce qu'on a des sous ici. Un peu, mais pas tant que ça. Il y a un petit peu d'argent au Raymond. On va aller au Raymond. Ah, mais bordel, à chaque fois je me fais avoir. Y a pas de temps, hein. On fait 500, on va foncer ici. Parce que de toute façon, c'est de mai à août, alors je sais pas ce qui se passe si on le fait trop tard. Ouais, les 24 points en grès, faut que je les fasse. Et on récupère 90 caisses de vin de contrefaçon pour 500 balles. Bah oui, bah je dis oui. On va l'envoyer là. Je dis carrément oui. C'est quoi ta quête? Merci de vous aider à racheter ce commerce. Quand on a pris possession des lieux, on a trouvé quelque chose d'assez étrange. Des placards verrouillés au sous-sol. Ouais, on peut trouver deux pieds de biche et 500 balles.
pas de problème. Par contre, du coup, on n'a pas d'autres trucs pour le train pour l'instant. Faudra qu'on repasse. Il nous faut des petits pots en grès. Là, elle va piller toutes les achats de pots en grès, donc on va en acheter ici quelques-uns. Je sais pas si on va pouvoir en mettre suffisamment dans notre coffre. C'est un peu le problème. Si, c'est bon. 24 pots en grès. Elle est bientôt arrivée. Voilà. Hop là, une casse. Pourquoi pas. Donc ici, on va là. Et on a les 24 pots. On fait livrer ça là-bas. Du coup, c'était combien? On en avait 10 dedans, je crois. Ok, pas mal. On a même eu un petit bonus. 26 pots pour 24 pots de grès. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Si tu veux dire, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Oula, faut qu'on répare nos véhicules bientôt. Et puis bon, on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.